Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, donc les délibérations se suivent et bien sûr nous changerons d'ambiance. Hein. Je n'ai pas voulu intervenir précédemment puisque j'étais parfaitement aux côtés à la fois du maire de Saint-Médard et du maire du Taillon et des autres maires concernés. Et ils représentaient tout à fait ce que je pensais, mais désormais les débats reprennent leurs droits. Donc sur ce sujet-là, je pense que nous sommes face à une délibération qui est très laconique, très courte, et qui pourtant est une délibération rare et importante. Il est en effet très rare de voir une ZAC annulée. On sait ce que représente une ZAC, le travail qu'il y a derrière, l'importance que ça a dans différents domaines. Et pourtant, celle-là l'est. Je voudrais rappeler brièvement l'enjeu qu'il y avait au travers de cette ZAC, qui était un enjeu à la fois, bien sûr, communal, mais aussi un enjeu métropolitain. Dire que ce dossier ZAC était un dossier travaillé depuis longtemps, qui a commencé à être travaillé à la FAB en 2017, je crois, et qui a abouti en 2020 à ce projet avec un très beau sujet. Très beau sujet pourquoi ? D'abord pour Saint-Médard, pour nos collègues, je rappelle brièvement. Il s'agissait à la fois de résoudre une question qui était une question d'élargissement du centre de Saint-Médard, qui est pincé, comme on sait, c'est une typologie très particulière de ville, l'étendre vers des fonciers qui étaient disponibles, et sur ces fonciers-là, faire une opération qui aurait dû d'ailleurs cocher à peu près toutes les cases de ce qu'est l'actuelle majorité, puisque c'était à la fois une délibération, une ZAC écologique et sociale. Écologique et sociale, pourquoi ? Parce que sur les 15 hectares qui étaient l'objet de cette ZAC, 10 étaient des hectares totalement préservés, un splendide environnement de nature, un écrin naturel qui devait être protégé, dédié à la promenade. Et puis 5 hectares qui étaient auparavant aménagés par quelques petites maisons dans des états pas très favorables et qui étaient remaniés sous forme d'une ZAC avec 270 logements. Ce projet a été travaillé, débattu, amplement travaillé avec Ariane Group. Il avait abouti totalement et devait faire l'objet d'une signature de vente. La ZAC avait été approuvée, on l'a dit déjà, en février 2020. Et d'autre part, tous les éléments avaient été dûment travaillés. Alors pourquoi cette ZAC exemplaire est-elle supprimée ? La délibération nous dit que c'est parce que, comme ces terrains appartenaient à une zone avec un statut militaire, une autorité administrative, l'inspecteur des poudres explosifs, n'a pas donné son accord, et c'est la raison pour laquelle, tout d'un coup, on finit tout. Alors, je voudrais quand même rappeler les choses. Les projets de ZAC ne sont pas apportés par les cigognes. Les projets de ZAC sont des projets qui sont portés par une impulsion politique forte, et je pense que tous les maires ici présents peuvent en témoigner, les uns et les autres en ont, une impulsion politique forte et d'autre part un travail partenarial abouti, abondant, nourri, avec les porteurs des terrains qui sont parfois privés, parfois publics, parfois des entreprises. C'était bien sûr le cas avec Ariane Group. Et cette difficulté, puisque l'ingénieur des poudres explosifs a changé à l'automne 2020, il semblerait que le nouveau était un peu moins arrangeant que son prédécesseur, mais il aurait suffi d'une volonté politique pour engager un travail partenarial et trouver les accords nécessaires pour qu'il donne son accord, puisque pendant 3 ans, son prédécesseur, ou 4 ans, était d'accord et on avait travaillé avec lui suffisamment pour le faire, et donc on aurait très bien pu passer cet obstacle. Donc présenter cette délibération comme étant le fruit d'un obstacle administratif, c'est vraiment tromper, je dirais, les lecteurs de la délibération. Cette ZAC a été supprimée parce que la volonté politique n'était plus là. La majorité actuelle de Saint-Médard est divisée sur ce projet. Et malheureusement, la métropole a été amenée à suivre la volonté de la municipalité de Saint-Médard-en-Jal. Alors je dirais que évidemment, c'est tout à fait triste. C'est triste parce qu'on se demande bien, alors que vous vous présentez comme une majorité écologique et sociale, on se demande bien quel type de ZAC vous allez soutenir si vous ne soutenez pas une ZAC de la nature de celle de Saint-Médard, respectueuse de la nature,
exemplaire sur le plan social. Je rappelle que, comme tous les projets portés par la FAB, il y a un tiers de social, un tiers d'accessible, un tiers d'abordable et un tiers de libre. Donc c'était tout à fait exemplaire. Dans un contexte où d'autres que nous le rappellent régulièrement, on est à 1800 logements sociaux construits sur la métropole en ce moment par an. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez incompréhensible. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui peut trouver grâce à nos yeux si on supprime ce type de ZAC? Donc moi, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur qui illustre le manque de volonté politique. C'est une erreur grave qui s'ajoute à d'autres erreurs graves. Alors pour Saint-Médard et aussi pour la métropole, je ne prendrai qu'un autre exemple, c'était le tram qui a été supprimé. Alors vous n'avez pas dit supprimé, il est reporté au calende grec, ce qui revient au même. Le tram et la presqu'île du Centre, ça commence quand même à faire beaucoup quand on parle d'ambition écologique et sociale. Et donc cette majorité est, je dirais, mise en défaut sur le plan concret, sur le plan local, mais aussi sur le plan de la métropole, puisque ce ne sont pas des projets anodins. Et deux projets de cette nature en deux ans, eh bien c'est beaucoup, je le déplore. C'est une faute, c'est une perte de chance pour les habitants de Saint-Médard, et c'est aussi un manquement grave pour la métropole à l'heure où la construction de logements sociaux s'effondre totalement. Je rappelle en plus, et j'en finis par là, que cette construction-là était une construction très respectueuse, puisque sur les deux, de l'environnement et des Saint-Médardais et des habitants, puisque sur les 270 logements, c'était tout au maximum en R+2, c'est-à-dire quelque chose de très raisonnable, de très gérable, de très compréhensible. Si même on ne fait plus de ZAC en R+2, que fera-t-on demain? Eh bien, c'est une question qui vous est posée, qui vous sera posée avec encore plus d'acuité d'ici 2 à 3 ans, quand l'effondrement sera complet.